Bonjour à tous, bon lundi matin de Pâques à tous. Max A, comment ça va? Super bien, on a fait le plein de baseball majeur en fin de semaine. On a écouté du baseball en masse. Ah ouais. Ça n'a pas bien été pour des Red Sox, ça n'a pas bien été pour mes Yankees. On va changer de sujet OK, direct là. parfait. C'est bon. Je suis sûr, je vais voir comment t'allais. Je me suis fait un peu écœurer en fin de semaine avec les Red Sox, mais en même temps, J'ai vu ça. tu sais, j'ai aucune attente là, cette année. Fait que ça me touche pas bien, ben. OK. Shohei Ohtani, je ne sais pas si tu as regardé hier, a donné un bon show. Première présence, premier lancé. La balle est sortie du parc à 450 pieds. Je pense que c'était 115 000 à l'heure. L'exit velocity. Dans ses premiers lancers, il a lancé à 101 000 à l'heure. Ohtani était en grande forme hier. Ouais, la question avec lui, c'est tout le temps combien de temps? Les blessures l'ont suivi toute sa carrière, fait que là, ça reste à voir comment ça va se passer ce côté-là, mais c'est un athlète là. Hein, pour faire ce qu'il fait, c'est une coche au-dessus. Ouais, j'ai hâte de voir la saison qu'il va connaître. Puis effectivement, s'il reste en santé, ça va être intéressant. Mais aujourd'hui, tu nous amènes ailleurs, Jeff, je pense, là. Ouais, ben j'avais envie de. Habituellement, on a Max à marche avec nous. Vu que c'est congé, Max est avec la petite famille, donc on a trouvé quelqu'un d'autre, puis. Il a fait l'actualité pas mal dans la dernière semaine. Puis j'avais envie qu'on aille ailleurs. On est habitué de parler baseball ou proche. Là, on est complètement ailleurs. On s'en va en course automobile. J'avais envie qu'on discute avec un prospect de 19 ans en course automobile, un peu comparer le parcours avec le baseball. Donc, on a Raphaël Lessard ce matin. Raphaël qui est avec nous pour un 20 minutes. Donc, Raphaël, tu peux te joindre à nous immédiatement. Bon, ça va, Raphaël? Ça va bien, vous autres? Va Ça va bien, très bien, merci. très bien. Merci d'être là. Yes, merci de m'avoir sur votre show, là. Fait Fait plaisir, fait plaisir. plaisir. Ça doit être ton premier show de baseball, Première fois. hein? Le concept du Profite-en. show, ouais, c'est ça, profite-en. Le concept du show, c'est pas nécessairement de parler de baseball, mais c'est un peu de montrer aux gens qu'il y a d'autres choses que le baseball, puis comment ça se fait ailleurs, tu sais, dans d'autres sports. Donc, les jeunes de ton âge qui sont justement avec Max dans l'ABC, ben, ils peuvent avoir différents parcours d'athlètes différents. Parce que je pense qu'on peut t'appeler un athlète, là, même si c'est l'auto qui conduit, là. Pas qui conduit, mais Pour qui conduit m'assurer une d'un auto. athlète. Ouais, c'est ça, exactement. Exact. Fait que, ma première question, c'est un peu ça. C'est quoi ton parcours? T'sais, un jeune qui joue au baseball va jouer bantam, midget, midget 3, sport études, tout ça. Toi, ça ressemble à quoi un parcours de pilote automobile? Ben moi, pilote automobile, j'ai commencé dans les petites classes à Vallée-Jonction en Beauce, là, 5 minutes de chez moi. Moi, j'ai grandi à Saint-Joseph-de-Beauce. J'ai commencé avec une petite Honda Civic, là, bien normale, une vieille Honda Civic. On avait mis une cage dedans pour que ça soit plus sécuritaire. Puis on embarquait sur la piste. Puis tu sais, c'était une classe de commencement. Tu sais, il y en avait ils ont fait 15 ans là-dedans dans ces classes-là parce qu'ils ont eu. Tu peux avoir du plaisir en masse. Mais moi, c'est vraiment ma classe pour commencer. Tu sais, c'est comme un peu des voitures de rue, mais que t'enlèves les vitres, tu mets une cage dedans, puis tu vas courir. Puis c'est là que j'ai commencé. Mon père a toujours fait de la course, fait que c'est lui qui m'avait acheté ma première auto de course, puis je le suivais depuis longtemps aux courses, puis je regardais tout ce qu'il faisait. Puis là, ma troisième course dans cette série-là, j'avais gagné ma première victoire. Ça n'avait pas été si long, là. J'avais pogné ça quand même assez vite. Fait que là, on avait monté avec dans une autre classe. J'avais commencé en sport compact amateur, puis là, j'ai monté. Tout de suite après dans Sport Compact Elite. Je faisais les deux classes. Là, j'avais une autre petite Honda Civic, mais au lieu d'être juste t'autes les vitres puis tu mets une cage dedans, c'était vraiment, tu travailles la suspension. Toute la suspension est vraiment travaillée de A à Z, beaucoup plus que c'est pas des suspensions d'origine. Fait qu'on était beaucoup plus vite avec ça. Puis ma deuxième course dans cette classe-là, ben, j'ai gagné. Ça, fait que dans le fond, j'ai commencé ma première saison, j'avais 11 ans. Puis dans le milieu de l'été, le 5 juillet, j'ai eu 12 ans. Puis le 5 juillet, j'ai eu ma première victoire à vie. La journée de ma fête de 12 ans. Fait que ça, c'était toute une fête. Mais c'est même que j'ai commencé, dans le fond, j'ai commencé dans les petites classes. Après ça, ça allait toujours bien. J'étais toujours quand même assez performant. Puis là, mon père, j'avais la chance d'avoir mon père qui était derrière moi, qui courait dans la série Sportsman Québec, qui était quand même, c'est une bonne classe au Québec. Puis lui, ça avait toujours été pour le plaisir, mais il me voyait aller, puis disons que si je livrais la marchandise, ben, il n'hésitait pas à se poser la question
j'étais capable de monter une autre coche. OK. Il m'a aidé à monter une autre coche. Puis là, on avait pas longtemps la saison. La première saison, c'est fini. On a vendu ma première voiture. Ma soeur l'a achetée, ma soeur la plus vieille. Elle s'est mise à faire des courses. Elle a gagné des courses là-dedans. Après ça, moi, je me suis mis à courir contre mon père ma deuxième saison. Puis c'est là que ça a vraiment parti. L'année suivante, je me suis mis à courir aux États-Unis. Première saison aux États-Unis, dans le Maine, New Hampshire. On avait fait trois courses au Québec. Puis c'était vraiment des vraies voitures de course, là. C'était très, très, très performant. J'avais appris énormément. Tu sais, c'était notre équipe à nous. On avait des personnes qui venaient nous aider, puis qui s'occupaient de la voiture. Puis, tu sais, on allait à des pistes aux États-Unis que la plupart du temps, on n'était jamais allé. Courir contre des gars que ça faisait 15 ans, 20 ans qu'ils couraient sur ces circuits-là. Fait que, il était une coche supérieure à nous. Mais regarde, des fois, on avait des bons résultats, puis souvent, on essayait d'apprendre, puis on roulait plus dans le peloton arrière. Mais ça, tu sais, ça m'a pas empêché d'apprendre, puis d'évoluer. Puis l'année suivante, c'est là que j'ai réussi à signer avec une équipe dans le sud des États-Unis, avec David Gann Racing, en 2016. Puis ma première année en Super Late avec eux, j'ai gagné le championnat de la série CarStore. On a gagné 4 courses sur 10. Puis j'avais fait Ah, un quand même. peu d'autres courses un peu partout. Puis ça avait été toute une saison, là. J'avais appris énormément, puis on avait été très performants. Puis là, j'ai toujours continué de monter les échelons. Puis là, je suis rendu dans la NASCAR. Mais depuis les débuts, on travaille fort pour essayer de trouver les partenaires qui veulent m'appuyer. Puis on a toujours réussi. Là, on est rendu à un point qu'on a un petit peu plus de misère en ce moment, mais on travaille fort pour que ça continue. Tant Ouais, ça, mieux. on va en parler un Oui, petit peu plus loin de ça, mais continue, Max, vas-y. ben en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi les qualités d'un bon pilote? C'est quoi qui fait que tu tires ton épingle du jeu par rapport aux autres puis que ça te permet de gagner? Parce que j'imagine que ça ne peut pas être. Il doit y avoir des qualités précises chez un individu qui va lui permettre de performer dans ce sport-là. Je dirais que faut être très tenace, là, comme on dit, là. Faut vraiment pas. Dans la course automobile, tu gagnes moins de courses que tu t'en fais. T'sais. C'est rare que tu gagnes une course, tu es toujours contre 30 pilotes, puis ils veulent tous gagner. Puis des courses sont. C'est pas comme. J'ai grandi à jouer au hockey, puis des games de hockey, t'en faisais deux, trois par semaine quasiment. À toutes les semaines, puis tu sais, t'avais le temps de te reprendre, mais là, c'est à chaque année, comme cette année, on est censé faire 22 courses. Fait que t'as 22 opportunités de gagner, puis prouver qu'est-ce que t'es capable de faire. Fait que c'est un sport qui est très dur mentalement des fois, parce que, veux pas, tu perds plus souvent que tu gagnes. Fait qu'on essaie de rester très. Moi, je suis un gars qui est très compétitif. Puis j'haïs ça perdre, mais faut que tu le voies d'une façon, puis que tu apprennes de tes erreurs, tu essaies toujours de t'améliorer. Moi, même si je suis premier, si je suis le meilleur une fin de semaine, ben c'est pas assez, il faut que ça soit le meilleur. Faut toujours aller chercher une autre coche. Je pense que c'est comme ça que tu réussis à aller chercher un autre niveau que des fois d'autres ont pas, puis de te démarquer. J'imagine qu'il faut que tu tournes la page rapidement, là, que ce soit un bon résultat ou un mauvais résultat. Tu tournes la page, il y a une autre course qui s'en vient, j'imagine. Un peu comme au baseball, nous autres ici, dans des présences au bâton. Tu as une présence sur le bâton, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, on la met de côté puis on travaille déjà la prochaine, j'imagine. Oui, exactement. Je pense que souvent, on fait la comparaison à un gardien de but. Tu sais, un gardien de but, quand il se fait scorer, là, il faut qu'il s'en revienne de bord, puis qu'il soit concentré, puis qu'il tourne la page assez vite, là. Ouais. Ben, c'est ça. Là, tu sais, si on a une mauvaise fin de semaine, une mauvaise course, un bris mécanique, une erreur de ma part, ben, il faut pas que ça te jase dans la tête pendant le restant de la semaine, parce que là, c'est là que tu vas juste te retarder, puis faut vraiment que tu sois fort mentalement pour vraiment switcher ça direct. Tu regardes les meilleurs pilotes, la plupart du temps, s'ils ont une course qui va pas bien, ben ils passent à autre chose, Ouais. direct. Ils quittent la piste, ils font leur meeting d'après-course le lendemain,
Après ça, ils n'en parlent plus, puis ils sont déjà passés à autre chose. Ouais, c'est ça, c'est la clé. Tu parles de devenir meilleur. Un pilote, ça s'entraîne comment pour devenir meilleur à chaque course? Ben moi, pour le moment, comme les 2 dernières années, on n'a pas eu la chance de pratiquer beaucoup. Tu sais, d'habitude, on avait 2 heures de pratique la journée avant la course ou même la journée de la course. Après ça, on avait les qualifications. Là, cette année, la plupart du temps, Bristol, la dernière course, c'était la première fois depuis Daytona, le début de la saison, qu'on avait des pratiques. Fait que c'est sûr que côté pratique, on se sert le plus possible du simulateur. Le jeu à iRacing, il s'appelle sur Internet, qu'on peut jouer contre d'autres pilotes ou d'autres personnes qui jouent sur ce jeu-là. C'est très compétitif, puis c'est assez un jeu qui est assez bon. Sinon, j'ai le simulateur de Chevrolet que je peux aller avec mon équipe. Ça, c'est un simulateur qui est très, très bon parce que, veux pas, Chevrolet ont investi énormément d'argent sur ce simulateur-là. Et regarde, j'essaie, dès que j'ai l'opportunité de tourner en karting, de tourner sur une petite piste, que ce soit sur la Terre, sur un autre late model ou un super late model, quelqu'un m'appelle, mais je vais y aller. Parce que je pense que le plus que tu en fais, le mieux que c'est. C'est le même que je le vois. Moi, tu sais, peut-être que j'ai pas la chance de pratiquer toujours ma camionnette, mais je vais essayer d'aller pratiquer n'importe quelle voiture que je peux à mettre mes mains dessus, ou que ce soit un karting ou un lane model sur un ovale. Tu sais, faut toujours garder les réflexes. Côté physique, je m'entraîne très fort physiquement, là. Je vais au gym assez régulièrement. J'ai un coach qui me suit. Dans le fond, c'est un ancien pilote NASCAR qui lui s'entraînait pendant sa carrière NASCAR. Il faisait des Ironman aussi. Fait que c'est un gars qui est extrêmement en forme. C'est la première année que je travaille avec lui. Puis là, on s'entraîne quand même dans le gym, mais là, je me suis mis à faire beaucoup plus de vélo, surtout vélo de montagne, courir, là. Je pensais jamais, j'ai jamais été un gars qui court énormément parce que moi, j'ai toujours aimé mieux lever des poids puis faire un style un peu CrossFit, ces choses-là. Mais là, quand que je suis embarqué dans ce programme-là avec Chevrolet, depuis comme vendredi passé, on a été courir 13,5 km en 1h17, là. Ça s'améliore, puis je suis content des résultats. Je commence à courir. Puis je suis capable de garder mon cardio puis mon cœur toujours à longtemps à travailler à la même force. Là. Fait que c'est si on s'améliore côté cardio, on va être bon pour cet été, mais qu'il fasse chaud durant les courses, là, on va être bon pour toffer. As-tu fait des écoles de course ou tu as appris par toi-même avec ton père à le regarder aller et à comprendre comment prendre les courbes? Parce qu'il y a une technique, là, comment prendre une courbe. Là, moi, j'embarque dans ta première Civic là, puis je peux prendre le champ facilement. Là. Je veux dire, as-tu pris des cours ou c'est inné en toi? Ben, c'est sûr que le fait que mon père en ait fait toute ma jeunesse, ben, je le regardais. C'est sûr que mon entourage, c'est beaucoup de monde de course. Je veux pas, j'ai 2 grandes sœurs, puis le chum à ma sœur la plus jeune est en course, il fait de la course depuis toujours. Quand j'ai commencé à courir, ben lui, il venait de commencer à courir contre mon père. Mais avant ça, il courait avec des Honda Civic comme j'avais couru, puis c'est lui qui gagnait toujours. Puis j'avais eu des bons conseils de lui, mettons. Après ça, le chum le mari à ma soeur, ma plus vieille soeur, lui, c'est lui qui il a toujours été dans la course. C'est lui qui a été mon chef d'équipe qui setupait la voiture à mon père et la mienne. Quand on a couru les deux ensemble. Fait que veux pas, c'est dans la famille, on a beaucoup de monde de course, mais quand je suis monté aux États-Unis, c'est là que me suis vraiment entouré de gens qui avaient fait ça toute leur vie, puis qui m'ont vraiment aidé à me coacher pour m'améliorer. Mais c'est sûr que moi, j'ai jamais vraiment été à des écoles. J'ai été à l'école de Andrew Angers quand j'étais plus jeune pour qu'il m'aide juste avant d'aller faire mon premier circuit routier. Sur les ovales, j'étais quand même, je savais qu'est-ce que je faisais, mais les circuits routiers, un gars comme Andrew est excellent. Puis moi, j'avais aucune idée qu'est-ce que je faisais. Fait que j'étais allé le voir à 12 ans, si je m'en rappelle bien. Puis
J'avais fait une journée avec lui, il m'avait montré ma voiture, comment changer de vitesse, comment bien braquer à l'entrée des virages. Ça, c'est un monde complètement différent. Mais à part de ça, je pense que c'est plus moi-même là, qui a vraiment, quand j'étais jeune, puis même encore aujourd'hui, je regardais toutes les vidéos que je pouvais trouver dans une voiture de course, à la prochaine piste que je vais. Je regardais toutes les vidéos possibles pour pouvoir vraiment apprendre la piste, voir qu'est-ce que les meilleurs font. Puis quand j'arrivais à la piste, ça me prenait 2 tours, puis c'était déjà dans ma tête, puis j'étais déjà au maximum, puis je savais qu'est-ce que je faisais. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut que tu essaies d'étudier, puis que tu veux l'apprendre, puis que tu n'aies pas peur de poser des questions. Je pense que c'est ça qui est important. Souvent, j'étais gênant avant, puis des fois, j'avais comme peur un peu de poser des questions, surtout que tout le monde parlait anglais, puis moi, j'avais pas un très bon vocabulaire en anglais. Mais là, faut pas que tu sois gêné, là. Si tu veux t'améliorer, pose des questions, puis faut pas que tu penses que le monde aimeront pas ça. Je pense qu'ils apprécient ça quand ils voient que quelqu'un veut apprendre. C'est quand même très intéressant parce que Max doit avoir des joueurs un peu plus timides, justement, un peu plus, tu sais, qui posent pas de questions, puis qui ça Ouais. peut être. C'est un bon conseil, en fait, je trouve. Ouais, effectivement, il faut que tu sois prêt à défoncer des portes puis à poser des questions puis à faire ta place parce que s'il y a personne qui va te donner ta place. Fait que C'est aussi ça. bien de jouer un petit peu des épaules du coude puis de tasser le monde puis de prendre ta place parce que elle sera jamais donnée. Non, Surtout dans le exact. milieu où ce que tu es, Raphaël, où ce que c'est un cercle assez restreint puis qu'il y a beaucoup de compétition puis il y a beaucoup de choses que j'imagine un peu comme. En F1, il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans les écuries, puis qu'il n'y a pas beaucoup de partage. Quand tu es d'aller récolter de l'information, ça vaut de l'or, là. Ouais. Oui, c'est ça exactement. Puis c'est vrai aussi, comme prendre sa place, là, que ça soit sur la piste ou même dans hors piste, c'est important de prendre sa place parce que si tu n'apprends pas tout de suite en partant, puis tu ne le montres pas que regarde, je suis ici, là, puis je suis ici pour rester, puis je vais être dans vos pattes, là. Et respectez-moi parce que si vous me respectez pas, ben je vais vous faire la même affaire, vous allez me trouver tannant. Ben ça, c'est des choses que souvent moi je trouvais que les vétérans là, fallait vraiment que tu prennes ta place tout de suite en partant parce que si tu prenais pas ta place, ben il allait être après toutes les courses tout le temps, puis il allait essayer de prendre avantage de toi. Mais faut vraiment que tu n'aies pas peur de prendre ta place. Comme moi j'arrivais un jeune du Québec. Qui compte des vétérans du monde de NASCAR. Eux autres ici, en Caroline du Nord, c'est tout du monde qui ont passé leur vie en NASCAR. Moi, j'arrivais de Québec à 14 ans, puis je courais contre des gars de 20, 30 ans, 40 ans, puis je peux te dire qu'il fallait pas que tu sois intimidé par eux. Ah, c'est clair. Tu as parlé de rester là, de garder ta place, Raph. Tu as passé dans les médias cette semaine pour le côté financier de la chose qui est très spécial là, au niveau de la course. Je sais que c'est compliqué, tout le côté monétaire de la course, mais fais juste nous résumer un peu qu'est-ce qui se passe présentement. Parce que moi, la question que j'ai à la base, c'est qu'au début de la saison, vous cherchiez les commanditaires pour être capable de faire 22 courses. Puis là, après, ça fait quoi, 2 ou 3 courses que vous avez là, depuis le début de l'année? On a fait 5 pour le moment. 5? Bon, il m'en manquait une couple, là, mais après 5 courses, là, vous cherchez déjà de l'argent pour pouvoir continuer la saison. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe présentement là? Ouais, ben dans le fond, notre but cette année, c'était de faire la saison complète comme l'année passée. Puis on s'était dit, au début de la saison, on avait signé une demi-saison. Puis là, on s'était dit, gardons. Je pense qu'on est capable de trouver des partenaires qui vont nous aider au courant de la saison. Fait qu'on signe la saison complète puis dans le but de trouver assez de partenaires pour pouvoir finir la saison puis pouvoir continuer à avancer. Puis c'est pas mal un peu ça qu'on a fait à toutes les années. Tu sais, toutes les années, on n'avait pas nécessairement tout l'argent en commençant, mais on était capable d'aller chercher des nouveaux partenaires tout au long de la saison pour nous aider. Ou des nouveaux investisseurs puis du monde qui voulait investir dans ma carrière. Puis là, c'est là, cette année, on a beau cogner à des portes puis cogner à plusieurs portes, puis souvent, on se fait dire plus non que oui. Surtout, je pense que l'effet de la pandémie aide vraiment pas. Les douanes fermées, le monde peut pas venir. La plupart du temps,
quand le monde m'aidait, ben oui, ça lui donnait de la visibilité, mais oui, souvent c'était du monde qui tripait sur les courses, puis ils venaient me voir, puis ils participaient, puis ils étaient dedans. Tandis que là, tu peux pas passer les doigts de la moitié. Tu sais, c'est plus compliqué, mais c'est pour ça que là, on est au point qu'on a vraiment besoin d'aide pour que ça, si on veut que ça continue. C'est s'il y en a qui veulent nous aider ou m'aider dans ma carrière, je pense que c'est le bon moment parce que si on veut que ça continue, on n'a pas le choix de trouver des nouveaux partenaires ou un gros partenaire majeur. Il y a plusieurs options. Nous autres, qu'est-ce qui est le fun avec le sport automobile, c'est qu'on peut adapter le partenariat avec n'importe quelle entreprise. On peut créer des événements, on peut faire. On parle d'une entreprise qui est située au Québec, mais qui fait de la business aussi aux États-Unis, qui ont un pied à terre, mettons, en Caroline du Nord, puis on court à Charlotte, puis ils veulent être affichés sur la camionnette à Charlotte, puis ils veulent aussi emmener de leurs employés puis de leurs fournisseurs à la piste. Bon, ils peuvent venir dans les estrades, triper, puis ça fait comme un peu... apprécier tout le monde qui travaille pour l'entreprise, puis ça donne une bonne visibilité. Tu sais, on regarde Fox Sports qui diffuse toutes les courses à Daytona. Il y avait au-dessus d'un million un vendredi soir, d'un million partisans qui regardaient à la télé. On a RDS qui donne une très bonne visibilité pour les entreprises au Québec. Fait que, comme c'est là, je pense qu'on a vu avec Canac et Quincaillerie-Richelieu, comme Canac, on se fait écrire à tous les jours presque. Hey, j'ai fait 20 minutes de route de plus pour aller dans un canac, vu qu'ils t'encouragent, puis on est fiers. Fait qu'on espère que ça puisse faire ouvrir les yeux du monde pour pouvoir m'aider. Ouais, ben tant mieux, on encourage les gens, là, même si les gens qui nous écoutent n'ont pas nécessairement l'argent pour, mais au moins d'en parler, puis de peut-être que, on sait jamais, il y a Ouais, peut-être c'est quelqu'un qui ça. peut. C'est ça aussi, là, tu sais. C'est des fois d'en parler, tu sais jamais, comme nous autres, on en parle à ça ces temps-ci, que Ouais. souvent c'est pas nous qui vient en contact directement avec une personne, souvent c'est quelqu'un qui a été référé par une autre personne parce qu'il en a parlé, puis ah, il a dit ah, ben moi ça me tenterait d'aider. Fait que si on n'en parle pas, je pense qu'on sera pas Ouais, capable de, on le saura jamais. exact, c'est si on exact. veut te rejoindre, c'est raphaëllessard.ca, c'est la meilleure façon de te rejoindre, ça? Moi, sur mon site internet ou directement aussi sur les réseaux sociaux, là, Raphaël Lessard sur Facebook, Instagram, Twitter, on est pas mal là-dessus aussi s'ils veulent écrire en privé. Yes. Hey Raph, je te remercie beaucoup pour ton temps. Je veux pas te prendre trop de ta journée, mais j'ai juste une petite question rapide sur Facebook, là. As-tu déjà assisté à un match de baseball? T'es-tu un fan? Une fois ici à Charlotte. Ben j'ai déjà joué au baseball un petit peu quand j'étais plus jeune. Ah non, c'était à softball. Ça, correct. Fait que là, j'ai déjà joué à ça quand j'étais jeune en masse, mais jamais vraiment joué au baseball. Aller voir une game, j'étais allé à Charlotte ici, je me rappelle plus c'est quelle équipe qu'il y a ici à Charlotte. En tout cas, j'avais bien aimé ça. Je trouvais que j'étais allé voir le basket aussi ici à Charlotte, le basket de la NBA, ça c'était impressionnant, j'avais adoré ça. Moi, j'étais un gars qui a toujours adoré le sport. J'ai joué au hockey toute mon enfance. Il fallait que j'arrête parce que j'avais plus le temps, mais j'aurais continué. Puis toutes les fois que je retourne au Québec, je mets mes patins. Fait que le sport, ça fait partie de ma vie, ça c'est sûr. Ah oui, c'est clair. Tant Super. mieux. Tant mieux. Max, cette semaine, je reviens, Raph, mais cette semaine, on reçoit Perry G vendredi puis Joe Mallow. Donc, les gens qui sont à l'écoute, Joe Mallow, ça va être super intéressant. Perry, ça va être pour son Expo Fest qui est en cours, qui finit vendredi, le samedi le 10. Donc, Exact. cette semaine, d'autres belles entrevues. Raphaël, gros merci pour ton temps. Gros merci. On t'encourage pour le restant de la saison. On espère que tu vas courir les pistes, les courses qui te restent à courir. Puis on encourage les gens qui peuvent t'encourager à le faire, évidemment. Ouais, bon succès, Raphaël. Un gros merci, c'est très apprécié. Merci à Merci. toi. Salut. On remercie Bye-bye. tout le monde d'être là. Bon show. On se revoit mercredi, nous autres. Yes, sir. Salut. Salut.